petit unboxing de VSX du coup. Voyons voir ce que c'est, surprise. À une main, c'est pas facile. Alors, colis livré à 48 heures. Voilà. J'ai commandé mardi. J'ai reçu, on est vendredi. Donc, mardi, vendredi, mercredi. Il a été préparé mercredi. Voilà. On était préparé mercredi. Et je l'ai reçu, il est parti jeudi. Puis voilà, il est arrivé aujourd'hui, vendredi. Parfait, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau là? Petite cage à aiguille d'origine sans froid pour le piston Poligny, la tout neuf. Le fameux piston bisegment pour liquide diamètre 46 pour mon kit Poligny. Donc l'axe de 12, la cage à aiguille. À une main c'est pas pratique, mais bon, si c'est bon c'est ça. Le petit piston qui va bien, les ergots, ah, il faut que je vérifie. Il passe pas. Si, c'est parce qu'il y a du sable. Bon, c'est bon, c'est parce qu'il est sale le cylindre. Une fois que j'aurai bien nettoyé, ouais, peut-être un petit coup de tolémerie ici, ça va aller parfait. Par contre, c'est les ergots. Hop. Il y en a un là, et un là. Un là. Et j'ai dit l'autre. Là. Je crois qu'il passe dans une lumière. C'est bon. Bon, donc c'est côté échappement puisque l'admission il est là, hop, et les ergots on peut voir ils sont devant. Est-ce qu'il passe dans le W? Il passe dans le W, l'autre c'est un monosegment. Je suis cuit, il va falloir que je reprenne un piston Poligny, ça va pas, ou sinon un kit 70 Hersal, je sais pas, je verrai. Du coup, ça ira pas ensemble. Tant pis. C'est pas comme je... ça sera... Bon, ça c'est un bouchon de décompresseur, comme la culasse d'origine a un décompresseur. Il se peut que je l'enlève. Les autocollants, les petits goodies, VSX, en cadeau. Les écrous de culasse rallongés. Mal aussi, plus facile d'accès pour mettre sur le petit central du guidon. Là, sur l'écrou, ça fera joli. Ou sur le truc du réservoir, peut-être. À voir. Le porte-carte grise, pareil en cadeau. Ça, c'était parce que j'ai fait une petite commande. La petite commande des familles qui va bien. Allez, hop.
après le unboxing, inboxing, pardon. On remet dedans. Hop. Le petit piston, la cage à aiguille et les circlips. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par contre ? Voyons voir la bébête. Un petit cutter maison. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite vidéo délire qu'on a tapé avec les collègues du côté de Avignon, Fontaine du Vaucluse, tout ça. Des petites photos qui vont bien, des belles images. Donc je vous ai ramené un petit peu de, contenu pour le plaisir. Alors on peut voir, la cartouche, elle est parfaite. Il est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment de la belle pièce. Hein. Puis il est lourd. Bon, par contre, on peut voir la bride qui va bien. Il va falloir que je l'enlève, celle-là. Je ne sais pas comment elle est faite. Si c'est juste une rondelle soudée à l'intérieur. Ou si c'est un cône, comme des fois. Et je pense que il va y en avoir une là. Si c'est comme sur les ninjas, je verrai. Je le démonterai, je l'ouvrirai. Je vous dirai ça de toute façon. On verra ça plus tard. Là, c'est juste le petit unboxing qui va bien. Voilà. Et si on se le met au soleil? Voilà. Bon, bah, c'est pas le soleil de Californie. Hein. C'est le soleil de l'Isère. Bienvenue en Isère, le pays où il fait chaud a bien sué, quoi. Voilà la bête. Bon, et ben déjà je vais voir ce qu'il va donner sur le petit kit 50 EGR, ça, l'AR. Je vais pouvoir remonter ça, voir. Déjà en 50 avec le R3, le Doppler, la poulie en voyage R2. Je pense que ça peut être pas mal déjà. Bon, et ben allez, moi je vous laisse là-dessus, on verra plus tard pour la suite. Alors les petites pénouches là en terrasse au calme, ça va sucer des petites glaces, des petits jacquemob, voilà, classique, des familles. Ouais mais là, voilà quoi. Et l'autre. Le petit plateau qui va bien frère. On est au calme là, la petite pile qui est bien ensoleillée. Voilà, on se retrouve pour un petit tour embarqué en bonus avec le 88. Quelques petites infractions en perspective, je crois. Bon, je vous laisse savourer tout ça. Bon courage. Allez, à plus.
Elle est froide la moto, il fait 50 degrés mais elle est froide quand même. Faut y faire attention. Voilà les amis, on va terminer cette petite vidéo là-dessus. C'était du petit bonus spécialement pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pensez à liker, vous abonner, commenter, dire ce que vous en pensez. Et partager. Et activer la cloche des notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, à bientôt les amis, ciao.